Roger Federer a été très irrégulier contre Medvedev et Bautista Agut. Il a connu des désillusions contre Kokkinakis, Čović, Anderson et Milman. Il semble beaucoup moins constant que par le passé. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est tout à fait normal. L'erreur que certains font, à mon sens, c'est de prendre pour standard le niveau de Roger Federer en 2006, 2007, voire les 6 premiers mois de 2017. Pas d'inquiétude, nous sommes tous comme ça, moi le premier avec Rafael Nadal concernant ses performances sur terre battue. Ainsi, si le Suisse ne sert pas le feu, n'enchaîne pas les aces, n'a pas un jeu de jambes réglé au millimètre près, ne prend pas la balle tôt en enchaînant les demi-volées, ne fait pas des coups gagnants aux quatre coins du court, et la liste peut être encore longue, bref, quand Federer ne fait pas tout ça, beaucoup commencent à s'inquiéter et à parler de déclin. Le problème, c'est que dans ce cas de figure-ci, nous omettons tout le contexte actuel ainsi que les performances récentes du Suisse. Roger Federer a eu 6 mois incroyables en 2017, 6 mois anormaux. Il ne faut pas prendre ces 6 mois pour une tendance générale du côté suisse. En effet, depuis la fin de Wimbledon 2017, il marque clairement le pas. Nous allons comparer plusieurs statistiques entre 2017 et 2018, ainsi que les 6 premiers mois de 2017 et l'après-Wimbledon 2017. Pour être totalement honnête avec toi, je suis assez surpris des chiffres. En effet, je m'attendais à une différence beaucoup plus flagrante, ce qui n'est pas le cas. On constate que Federer a su maintenir des statistiques constantes au service. Ce que l'on peut soulever, c'est qu'il est moins bon sur les jeux de retour, qu'il saisit moins les occasions qui se présentent et qu'ainsi la durée de ses matchs est plus longue. 20 minutes en plus sur son temps moyen entre 2017 et 2018 à la même période. Force est de constater que depuis un an et demi, le jeu de Roger Federer repose quasi exclusivement sur son service. S'il est dans un mauvais jour, ou si ses adversaires arrivent à bien le lire, cela devient très compliqué pour lui. En effet, son revers n'est plus aussi tranchant qu'en début 2017. Il le prend beaucoup moins tôt et est moins précis. Côté coup droit depuis 2014 et son changement de raquette, il est de plus en plus approximatif et fait de plus en plus de fautes. Son jeu de jambes, si exceptionnel pourtant, et moins vif, apparaît plus lent sur certains matchs. On rajoute à cela qu'il a une autonomie de 2 heures, dans les matchs et qu'à trop jouer, son réservoir se vide et peut vite être épuisé, comme en témoigne sa défaite contre Čović à Shanghai. Si nous prenons du recul sur le cas Roger Federer, nous constatons que ses performances en dents de scie sont tout à fait logiques. D'une part par son âge, n'oublions pas qu'il a 37 ans, c'est être capable d'être aussi performant à 37 ans qui est anormal, pas de perdre un set contre un top 30. S'il joue encore d'ici là, je doute que Nadal et Djokovic soient aussi compétitifs à cet âge-là. D'autre part, passons au crible ses performances en 2018. En 2018, Federer a disputé 46 matchs. Il a eu 9 matchs contre des top 20. 5 victoires pour 4 défaites. A l'inverse, on peut s'amuser à comparer ces chiffres par rapport à ceux de 2017. D'abord, vous allez voir apparaître les résultats globaux sur l'année 2017 et entre parenthèses, en rouge, les résultats à la même période qu'à cette année-ci, donc après Shanghai 2017. On constate qu'à la même période, Federer avait disputé 49 matchs, il en avait joué 20 contre des membres du top 20, 19 victoires pour une défaite. Pour mettre un petit peu ces chiffres en relief, surtout sur l'année 2018, on va les comparer avec ceux de Nadal et Djokovic. On constate qu'en 2018, Nadal a disputé 49 matchs actuellement, 17 matchs contre des top 20, 14 victoires, 3 défaites. Un petit peu pareil pour Djokovic qui a disputé lui en 2018 55 matchs, 17 matchs contre les top 20 et là encore 14 victoires pour 3 défaites. Après, Roger Federer reste un immense champion, et les champions ne meurent jamais. Cependant, il va falloir s'attendre à voir le Suisse de plus en plus inconstant dans ses matchs contre des top 50 avec un niveau fluctuant. Par contre, il va fonctionner par coup d'éclat, et sur certains matchs, certains tournois, avoir un pic de forme et réussir tout ce qu'il va entreprendre. Par définition, un coup d'éclat est éphémère, ce qui signifie qu'un très grand match de sa part n'engage pas que le match suivant ou le tournoi d'après soit du même acabit. C'est la règle du jeu. A l'inverse, si Federer fait un tournoi sans jouer son meilleur tennis et arrive en finale, il a une petite chance de sortir le match qu'il faut pour décrocher le trophée. A titre d'exemple, on peut noter ses matchs contre Nadal à Shanghai 2017, Del Potro à Bâle 2017, voire contre Nishikori à Shanghai 2018, où il a eu un pic de forme sur ses rencontres. Le cas de l'Open d'Australie 2018 est légèrement différent. Il a su profiter d'un tableau favorable sans forcément déployer son meilleur tennis, et il a pourtant réussi à ramer en 5-7 en finale. À Indian Wells cette année c'est pareil, un parcours très accessible pour se hisser en finale. En effet au début de l'année 2018, une grande partie de ses concurrents étaient dans les choux.
Pour preuve, si on prend le top 10 à la race après Shanghai 2018, on constate qu'on retrouve seulement le nom de 3 joueurs qui étaient présents au moins en quart de finale à l'Open d'Australie et de 3 joueurs également présents au moins en quart de finale à Indian Wells. Tout cela pour dire que Roger Federer est encore capable de gagner des grands titres. Mais cela va se faire de plus en plus de façon épisodique. Je le vois encore des gros chiens grand chelem au maximum, plus d'un Masters 1000, pourquoi pas, tout est possible après tout. Néanmoins, deux questions se posent. Qu'adviendra-t-il après l'Open d'Australie 2019? On sait tous que Novak Djokovic sera l'immense favori, c'est son jardin. Federer doit y défendre 2000 points. Il y a de très fortes chances qu'il perde entre 800 et 2000 points. Il se retrouverait alors entre la 5e et 6e place mondiale. Derrière, il doit encore défendre un ATP 500 et une finale de Masters 1000. Il peut très rapidement dégringoler au classement et avoir des premiers tours de plus en plus compliqués. Que se passera-t-il s'il fait une tournée d'adieu sur terre battue? Qui dit terre battue dit entraînement sur la surface, au moins un tournoi avant Roland-Garros pour se préparer, bref, du temps de repos en moins et de la fatigue en plus. Quelles seront les répercussions de cet effort supplémentaire pour le reste de sa saison, notamment sur gazon? On constate déjà qu'il peine à finir l'année physiquement au top en ayant 3 mois de vacances durant la saison sur terre, alors qu'engendra ce temps de jeu supplémentaire sur ses résultats? Alors, objectivement, peut-on être surpris ou inquiet du niveau d'un joueur quand on sait que ses récentes défaites sont intervenues contre Kokkinakis, Čović ou Milman? J'en doute. Il s'agit d'une continuité, non d'une anomalie de voir son niveau décliner, tout comme sa fraîcheur physique liée à son âge. Comme dit mon père, un fan de Federer de la première heure, le pauvre, il a fait un fils pro Nadal. Chaque match que joue le Suisse, c'est un petit peu comme une finale. C'est caricatural, bien évidemment, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Maintenant, quand on regarde un match de Federer, quand on analyse l'une de ses performances, il faut avoir un regard différent et des attentes différentes revient un petit peu à la baisse. Voilà ce qu'on peut dire pour le cas Roger Federer. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis, qu'est-ce que toi tu en penses. À lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve très très vite pour parler tennis d'ici là. Porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.